Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso que nous avons le plaisir de tourner dans un lieu atypique qui vous plongera pleinement dans l'ambiance du spectacle Serial Pleader présenté au Phénix par Jacques Vergès, un avocat très médiatique et très engagé. Nous parlerons également d'un concert rafraîchissant autour du répertoire de Marie Dubas et d'un excellent trio de jazz. Allez Expresso, c'est parti! Si ce décor de tribunal est assez peu familier de notre magazine culturel, il correspond en revanche beaucoup plus au quotidien de l'avocat Jacques Vergès que nous allons accueillir très prochainement au Phénix avec son spectacle Serial Pleader. Sans avoir la prétention d'être comédien, Jacques Vergès monte sur scène pour tenter de répondre à la question qui lui fut posée des milliers de fois, comment pouvez-vous défendre de pareils criminels ? Lui qui fut aux côtés de Klaus Barbie, d'Action Directe, mais aussi de Simone Weber ou d'Omar Radad, revendique haut et fort le droit de tout à chacun d'être défendu. Être avocat, dit-il, c'est assumer l'humanité des hommes, coupables ou non. Avec humanité, donc, force de conviction et en s'appuyant sur les grands procès de l'histoire, de Jeanne d'Arc au FLN, Jacques Vergès nous touche par son authenticité et son engagement sans faille. Lui, qui est une véritable bête de scène des tribunaux, s'avère être tout aussi à l'aise sur une scène de théâtre. C'est un spectacle dont on ne ressort pas indifférent, mais plutôt empli d'idéaux. Venez juger par vous-même, c'est au Phénix, le 3 décembre à 20h. Nous vous invitons le vendredi 4 décembre à redécouvrir ou à découvrir Marie Dubas. Pour ce spectacle, Edwige Bourdie entre dans la peau et emprunte le répertoire de Marie Dubas, une grande dame du musical français de l'entre-deux-guerres. Celle qui avait en son temps inspiré Édith Piaf et qui est à l'origine de Mon Légionnaire, célèbre titre repris entre autres par Dalida et Serge Gainsbourg, reprend vie l'espace d'une soirée drôle, pétillante et pleine de charme. Gaston, ce soir, sur le pavé, je devrais dire sur la mousse, il n'en a pas trouvé. Quoi que je l'idolâtre, il me bat comme un chien. Je devrais dire comme plâtre, mesdames, ça ne changerait rien. Tant pis si c'est un crime, il se fout de la rime. Quoi que je l'idolâtre, il me bat comme un chien. Pour calmer ma douleur, il m'a offert des frites. Si j'avais des fleurs, ça serait plus poétique. Edwige Bourdie parvient à incarner une galerie de personnages tous plus loufoques et décalés les uns que les autres, en associant fantaisie et culot à la grâce et l'émotion. Edwige Bourdie, c'est aussi une artiste aux multiples talents, merveilleuse comédienne, chanteuse accomplie. Elle est accompagnée sur scène par un excellent pianiste. Bref, vous l'aurez compris, c'est plus qu'un simple tour de chant, c'est un spectacle totalement ébouriffant auquel nous vous convions. On ressort de ce spectacle totalement heureux, comme à la fin de Singing in the Rain. Et si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Marie Dubas, nous vous invitons à une conférence le vendredi 4 décembre à 18h30, animée par Stéphane Hirschi, professeur de cantologie à l'Université de Valenciennes. Pierre Christophe, c'est l'un des pianistes que l'on attend avec impatience au Phénix. Pour sa biographie, il est né en 1969, il étudie le jazz pendant toute sa jeunesse au Conservatoire National de Marseille, puis il part pour 2 ans à la Manhattan School of New York, de laquelle il revient avec l'équivalent d'une licence de conservatoire. Côté discographie, il n'en reste pas pour autant inactif puisqu'il enregistre en tout plus de 15 disques s'accompagnant alors des plus grands artistes internationaux. On en écoute un petit extrait.
Et son palmarès ne s'arrête pas là, puisqu'il obtient en 2007 le prix Django Reinhardt de l'Académie de Jazz, autant dire qu'il est élu meilleur musicien de jazz français de l'année. Vous l'avez compris, ce sont donc des mains délicates au talent indéniable qui se poseront sur le piano de l'avant-scène. Ce sera le 2 décembre et c'est à découvrir absolument. Voilà, Expresso, c'est à présent terminé. Nous allons quitter le tribunal de grande instance de Valenciennes en remerciant chaleureusement Maître Doutriot pour son accueil. Nous nous retrouverons dans un prochain numéro pour vous parler de la nouvelle création d'Artzoid, Cairo le réseau. Ciao.